Hello, c'est Fit pour Factor News. Aujourd'hui dans Tu connais, on va regarder Undead Horde. Alors Undead Horde, c'est le nouveau jeu de Tentons. Tentons, c'est le studio derrière... J'ai déjà testé quelques-uns de leurs jeux. Ils font beaucoup de top-down shooters. Ils sont principalement connus, enfin le jeu le plus connu c'est Crimson Land. Un top-down shooter où on shoot un paquet de monstres. Assez récemment, ils avaient fait Neon Chrome et Jedge, que j'avais déjà streamé l'année dernière, je crois. Et également Tesla versus Cthulhu ou un truc comme ça. I am reborn. Voilà, un nouveau jeu. On joue un nécromancien, donc c'est toujours vu du dessus, hein, ça ils aiment bien. Alors, j'ai déjà un petit peu joué. Voilà, donc on a une map, un overworld, donc là je suis dans ma crypte, la crypte du nécromancien. Les zones en violette, c'est les zones, voilà, donc j'ai commencé ici. Le tuto, j'ai déjà fait deux petites zones, hein, c'est pas très grand. Et puis on a des quêtes, on va voir un petit peu ce qui se passe. Le jeu est en early access, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Alors on est à la première ère, je ne sais pas où on en est au niveau du développement. Donc j'ai ma vie, j'ai de la mana, de l'XP. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, ça c'est l'inventaire, ça c'est ma feuille de perso. Donc vie, mana, bonus de dégâts, commande cap, ça fonctionne un peu comme Pikmin, on va voir, ou Overlord pour ceux qui ont joué. Crit, etc. Les upgrades, donc ça c'est quand on fait des level up. On peut se spécialiser donc en empereur, ermite, sword. En général on a une spécialisation qui est plus en dégâts au corps à corps. Enfin dégâts purs, donc de la... Ça va être des dégâts, ou ça va être plus de vie, ou bien plus de mana, ou bien plus de points de commande. Qui permet d'avoir plus de... Plus d'unités en fait sous ses ordres. Alors, mon inventaire, j'ai une arme. Donc, il y a plusieurs armes avec plusieurs catégories, hein, du blanc, du bleu, du jaune, donc en différents affixes. Donc, comme un hack and slash classique. Alors, ça faut que je ramène au commandant. Donc, j'ai différents équipements que je peux encore trouver puisque je suis au début. Donc, j'ai une arme et une arme secondaire. C'est nommé Commander Stick. Donc, là, par exemple, je peux donner des coups de masse. Où on voyait paf une boule de feu. Et ça me prend de la mana qui se recharge tranquillement. Voilà, on va se soigner ici. Une récompense. Ok. On va donner un marteau. Que vaut ce marteau? Donc il fait pas mal de DPS. Crit chance. Le marteau que j'ai, ce qui est intéressant, c'est que mes unités font plus de dégâts versus les piquets. Mais on va changer juste pour le principe. Donc dans ma crypte, alors on peut voir, j'ai une mini-map ici, c'est mon unité que j'ai, j'imagine. Ça, c'est un point de téléporte. Et en fait, il y a différentes statues qui me permettent d'invoquer des unités. Donc je peux en invoquer en jeu. Mais une fois que j'ai dégommé un certain nombre d'unités, là par exemple, on voit une fois que j'aurai. Ça c'est des guardsmen, une fois que j'en aurai dégommé 30, ici je peux en invoquer autant que je veux. Donc là c'est des poulets, des paysans pas contents. Et puis là j'ai des axemen, des bonhommes avec des haches, et des archers. Donc ils ont des stats, hein, common value, DPS, attack speed, hit point. Bah DPS c'est leur... C'est bizarre d'avoir à la fois DPS et attack speed, mais en gros ils ont leurs dégâts, leur vitesse d'attaque, la vie qu'ils ont. Et command value en fait c'est la valeur qui coûte. Donc forcément on va prendre une grosse unité comme ça coûte cher, 60. 25. Donc si je veux un gros chevalier ça va me prendre beaucoup de points, alors que si je prends genre un poulet ça me prend 2. Et là, je prends un poulet ici. Hop, on voit ici la jauge qui se remplit. Je vais prendre 5 poulets.
On va prendre des paysans. Donc là, on voit que voilà, on passe de 7 par rapport à 2, donc ça remplit plus. Et les Axemen sont à 9, les archers reprennent 5 archers, et puis. Et puis le reste, on va prendre ça. Voilà, donc si j'upgrade. Voilà, je suis full en commande. On va prendre des poulets pour faire le reste. Voilà. Donc ça, c'est ma petite armée. Donc cette jauge violette, là, elle dépend de mon command cap, ici, de 172. Une fois que j'ai mes unités, je peux les diriger avec donc LB là. Forward. Je peux leur dire d'attaquer. Gather round. Ou de revenir, tout simplement. Donc un peu comme Pikmin. Mais Pikmin avec un écran. Donc un peu comme Overlord quelque part. Donc j'ai débloqué des téléporteurs. Ma mission, c'est de sauver des marchands. Des poupoules. Les poules se défendent en plus. Hein. Voilà. Des poules grillées. Les unités, elles ne remontent pas leur vie, je crois. Et donc, ici on a par exemple un village, on va laisser attaquer. Par contre ça c'est un une baraque, c'est un générateur d'unités. Donc on a une espèce de cooldown ici. Quand quand la jauge est pleine en fait ça va spawner une unité. Donc c'est important de le spawner. Oh ok, donc là je me fais pas mal défoncer. Cette histoire s'est très mal passée, là, apparemment. Je vais pouvoir montrer. Je peux quand même me battre tout seul. Et donc j'ai un pouvoir ici qui me permet de ressusciter les morts. Ça coûte rien, c'est juste sur un cooldown. Donc c'est comme ça qu'on refait son stock d'unités à la volée. Tac. Avec beaucoup d'unités ennemies. Heureusement j'ai du feu. C'est pour ça que la priorité ça va être en général de de dégommer les générateurs d'ennemis pour éviter de se retrouver dans une situation où de toute façon les ennemis ils respawnent non-stop. Je descends à distance. She draws near. Not an eye mana is low. Ok, donc là on va faire ses forces tranquillement. Arise, my minions. Donc on peut voir sur la carte là qu'il y a 4 bâtiments. Donc il y a 4 bâtiments qui génèrent des unités. J'en ai cassé un. C'est bien, mais c'est pas assez. Ah, restez. Donc là, quand je suis à portée d'une unité que je peux ressusciter, j'ai l'icône qui apparaît. Je sais pas si par la suite je peux augmenter cette zone d'effet. Pareil, je sais pas si je peux à terme réduire le cooldown du raise. Par contre, c'est pas instantané, hein. Il faut vraiment que je laisse la jauge se remplir entièrement. Ma vie ne remonte pas toute seule non plus. Rise and obey. Forward. On va en profiter bien là. Et là, on va profiter de tous ces cadavres là. Bim. Voilà. Très bien. Et on va vite casser les générateurs d'unités. Voilà. Charge. Heureusement, moi je fais beaucoup de dégâts. On va en profiter.
pendant que mes unités sont occupées. Ouh, je vais faire là, j'ai plus d'unités, ce qui est très 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 dangereux. Ouah, interrompu. Oh, c'est pas bon ça. J'ai eu chaud là. 4 points de vie. C'est pas top, hein. Ouf, vive le feu. Join the horde. Donc là au moins les ennemis ne respawnent plus. Donc il y a tous ceux qui sont encore là. Alors le loot ne disparaît pas, a priori, ce qui est une bonne chose parce que. À l'attaque. Parce que là j'ai pas eu le temps de Donc là je suis bien. Donc j'ai plein d'unités, mais comme on voit, les unités sont pas très puissantes. Pas très résistantes. Heureusement, j'en ai beaucoup. On va ramasser du loot. Alors, je peux pas taper les salades. Des salades ou des tomates, hein. Ça a l'air de toucher qu'une seule cible à la fois, ça. Follow me. Donc là, je demande à mes unités de revenir vers moi. 12, j'imagine que c'est les unités qui restent, là, les bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 104, c'est le nombre d'ennemis qui doit rester sur la map aussi. Il reste beaucoup de monde, hein. Bon bah à l'attaque. Ils ont l'air costauds là. On va aider un petit peu les soldats. Et puis si on peut, on va aller les ressusciter parce qu'ils ont l'air costauds. Donc là je dois libérer ce machin. On va d'abord prendre le loot. Et ça tue. Donc les graphismes sont un peu basiques, moi j'aime bien, c'est clair, c'est mignon. Donc là maintenant j'ai un marchand a priori. Alors ce qu'on va voir, l'inventaire. Déjà ramasser des trucs, je peux vendre des trucs. Stick of Fire, Fireball. Ok, ça coûte plus cher, par contre ça fait plus de dégâts. J'aurai moins de mana. On va quand même prendre ça. Donc les armes blanches, bah a priori on va vite les dégager. Donc ce marteau c'était mignon mais. Donc cette hache fait moins de dégâts. On a vraiment. Parce que vraiment on a pas mal de stats. Hein. Il suffit juste de regarder un genre le DPS. Et puis là on voit par rapport à ce qu'on a d'équipé. Donc je vais perdre en DPS. Voilà, donc c'est assez facile de savoir qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on garde pas. Gagne ça, non, tu as lu une structure. On s'en fiche. Donc là, les buildings, ça c'est bien. Reset staff et donc le nom one critting with melee. Ça c'est quand même assez particulier. C'est du poison. On va vendre ça quand même. Allez, vous revenez ici. Donc là, j'ai un autre village en bas. Ce qui est pas mal, c'est qu'au centre du village, il y a un truc de soin. Bon, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à y aller. Je pourrais revenir à la base, en fait. Ouais, alors là, le problème, c'est qu'avec la mana que j'ai, cette boule de feu, je peux l'envoyer que... Je peux en envoyer que deux.
là l'idée c'est vraiment rester derrière et laisser mes bonhommes faire le travail. Ouais, donc je perds des unités, c'est pas grave. Arise, my minions. Alors, pour l'instant. C'est très mauvais signe cette histoire par contre. Je sais pas ce qui se passe si je meurs. Ah, j'ai mon bouclier. J'ai de la chance. Est-ce que je peux m'approcher assez près pour respawner ça? Voilà, ce qui se passe, c'est quand j'ai plus de vie, j'ai un bouclier qui me protège pendant quelques secondes et je vais plus vite. Je sais pas combien de temps il met. S'il y a un cooldown ou combien de temps il. Combien de temps je dois attendre avant de pouvoir le refaire. Arise, my minions. Slay the living. Allez, à l'attaque. Et moi, je vais respawner. Voilà, ça va mieux là. Allez, à l'attaque. On va se soigner. Ah, ça, ça fait du bien. Prenez-vous du feu, vous. On va en invoquer d'autres. Voilà. Là, je suis pas mal. Je fais vachement plus de dégâts sur les bâtiments, donc c'est moi qui m'en occupe. Et voilà. Come here. You shall serve me well. Strike them down. Là, voilà. À l'attaque. Cela. Alors je sais pas, pour l'instant je pense ce squelette là qui est presque mort, je peux pas le dégager. C'est un peu le la limitation du truc. Je sais pas si ça vient par la suite. Celui traite pour lit. Just shoot Bernie to the ground. Ok. Donc une nouvelle quête. Donc on ira voir ça après. Ça doit être là, j'imagine. On va se contenter de ça pour l'instant. Gather round. On récupère nos troupes. On va sauver quand même le marchand, c'est un peu la quête. Donc ça change un petit peu justement des autres twin stick shooters du dessus. Ça c'est intéressant. Il est à la deuxième marche. Ok, voilà. Donc là, j'ai fini cette quête. J'ai quand même les quêtes en cours là-haut. Donc, priorité quête niveau 3, le Hunter's Lodge et parler à Elda là. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé? Du blanc. Poubelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas le jeter. Je voulais le vendre. Ça c'est bien. Ça c'est bien.
c'est pas mauvais, mais intéressant. On va juste voir si on peut... Là, il n'y a plus que 42 ennemis sur la map. Il y a beaucoup moins. On va voir si on peut trouver assez facilement ce qu'il y a par là-bas. On attaque des ours. Ok, l'ours, il est costaud. Hein. Ah, je suis plus costaud qu'un ours. Wow, peut-être que je peux raiser un ours. Ok, il doit être bien costaud. Il est bon, stuff, hein. Destroy them. Ok, ok, les ours sont costauds. Not enough mana. La bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être bien costauds ceux-là, par contre. Rise and obey. Slay the living. Ah oui, il est quasiment one-shot les archers, là. Okay. On va reprendre ces guerriers, là. Il en reste deux. Les ours, ça a l'air pas mal. Ah, la fontaine, je peux pas l'utiliser autant de fois que je veux. Je pensais. J'ai eu tort. Come here. Viens ici, le ours. Donc là, on a quand même des... un petit peu plus costaud. Ok, bien. Alors combien ça coûte un ours? Ouh, ça coûte cher. J'en ai que... Non, j'en ai deux là. 12 ours zombies. Slay the living. Ah, c'est résistant, hein, la vache. Je peux en avoir 3 du coup. Ouh. Ok. C'est de la bonne dédette, ça. Ok, donc là, je change de map. This land shall soon be mine. Strike them down. Ok, ça risque d'être costaud quand même. Hein. Il y a quand même... Les ours font pas mal de taf. Je vais pouvoir débloquer, je pense, bientôt une nouvelle unité. Le bonhomme avec des boucliers, là. Mana, I must have more. Eh ben, les ours, ils sont pas mal, hein. Gather charge. Follow the living shall know my wrath. Ok, il y a une tour, ça c'est problématique. Je sais pas comment ça fonctionne cette histoire. Je les envoie. Ok. Ah la vache, ça défonce mes ours. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment ils se focusent principalement sur mes unités avant moi. Eh ben dis donc, les ours ils ont pris cher. You shall serve me well. Attack my minions. Encore des ours. Les deux ours.
Donc là, on voit qu'il y a... comment dire, il y a une grande map, donc les zones sont séparées, mais il n'y a pas de... C'est pas séparé par mission, le monde est... Enfin, on fait des quêtes, on n'a pas besoin de lancer notre map, quoi que ce soit. C'est, je fais une mission, puis je vais à la suite, et basta. Ah ouais, une 3 ours contre 2, c'est dégueulasse. Aïe. Ok, j'ai nettoyé cette zone. Donc là, si je regarde la map, je peux aller à Hillsborough. Ouais, mais on va pas. Donc, c'était pas mal ça. Follow my lead. Je sais pas s'il fait nuit, ça change quelque chose. C'est juste parce que j'ai fini la map. Donc ouais, le problème c'est que là j'ai un ours qui est presque mort. Je sais pas si par la suite je pourrais genre un sort pour les soigner. Alors qu'est-ce que j'ai ramassé ici? Une dague vampire. Ça c'est bien. Alors ça fait un petit peu moins de dégâts. Mais ça me soigne. Énorme. Turn nearby enemy with the most life into a chicken. Ah. Intéressant ça, plutôt que de battre contre un ours, se battre contre un poulet. Ok, donc ça c'est une très bonne arme qui combine à la fois les dégâts contre les buildings avec les crit chance. Donc on va vendre ça. Et ça, crit chance, damage versus building, c'est la même chose que ça, mais avec plus de DPS, c'est ça? C'est ça. Là j'ai quoi? J'ai mon truc de feu. Ouais, non, je peux utiliser celui-là. Mon truc de poulet. La dague qui remonte de la vie. Le truc de poison. Ça c'est pour valider la quête. Et ça c'est quoi ça? Huge Skull of a Bear. Ok. C'est quoi? C'est... Je sais pas. Ah! On voit que la fontaine est revenue. Donc elle se recharge au bout d'un moment. Cette quête. My quest for domination. Ah, nice, que, ah, c'est le crâne de d'ours. Ok, donc il y a du neuf là. Donc c'est un, okay, c'est un crâne niveau 4, je suis quasiment niveau 4, qui fait attack speed of animal 20%, unit damage 20%. Ah, c'est très bien ça. C'est très très bien. Faut juste que je fasse un poil de level up encore pour moi. Un ennemi ou deux là, pour faire un level up. Genre. À l'attaque! Non? Kinabo Fred Chicken. C'est quoi ça? Gate is locked. Et ah mince. We shall devour these lives. C'est vrai que ce portail into the shadow là, banni jusqu'à ta conquiste. Bon, c'est une quête quoi. Je suis un ennemi moi, c'est ce qui m'intéresse. Ok, on va juste tuer, hop, petit boule de feu. Guardsman statue unlocked. Donc ça c'est bien. On va juste revenir dans la map d'avant. Ça va, les chargements sont courts. C'est quoi ça? Donc là on voit qu'il y a une zone qui est protégée par plein de tours. Il faut un cristal. Ok, le cristal il doit servir à ça. Parce que là je peux pas passer. Hein.
j'avance, je me fais défoncer. On va retourner à la base. J'ai un peu de mal avec ça. Ok. Alors. Reward. Hilda, qu'est-ce qu'elle me vend ? C'est un nano magique. Upgrade shop, level, ton local est un level item. Shuffle shop, nano item. Donc c'est quoi là ? Elle m'a donné un anneau ? C'est quoi cet anneau ? Unit projectiles, set on fire, for enemies will receive. Donc c'est un sort. Donc ça c'est bien avec des archers, pas trop avec des ours. Il est bien. Qu'est-ce qu'il m'a donné lui ? Une hache de 140 DPS. C'est pas mal ça. Mais un peu moins de dégâts sur les buildings. Donc on va se dire que ça ira. Où est mon argent? Ah, j'ai 8000. Bah, 8000, je peux upgrader ça. Ring of the Vampire, c'est quoi? Vampirisme. Cool. Ok, je peux upgrader plusieurs fois. Ah, au niveau 3, ça va me débloquer un nouveau truc, c'est ça? Ok, intéressant. Il n'y avait pas un autre bonhomme. Il y avait un autre bonhomme, je me disais bien. C'est ça. Pareil, on va monter au niveau 3. Ça, c'est pour une amulette. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Tout ce qui me touche sont gelés, ça c'est cool. Un HP par chaque mana utilisé. Ah. Intéressant. Intéressant. Donc là au niveau des quêtes, j'ai un marchand. Active Hilda's Ring. Bon bah ça c'est juste cette quête, c'est pas compliqué. Voilà. Talk to Scaling. Scaling, il faut que je retourne à l'autre map. Donc là on peut voir. J'ai cette nouvelle unité là, le Guardsman. DPS 12, DPS 20, 37, et plus de points de vie. Par contre, il coûte plus cher, ce qui est normal. C'est quoi ça, c'est des archers, les vrais archers, pas des bowman. Et les ours, 110 DPS, 1900 points. C'est bon ça. Non, c'est pas un ours. Les ours, c'est cool. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit où sont les quêtes, hein, avec les points d'exclamation. Scaling. Je vais fulfill my destiny one step at a time. Ok, c'est des dungeons. Ok, ça c'était la... Voilà, donc là j'ai fait mon level up. Niveau 4. Là je peux choisir en fait ce que je... Ce qui est intéressant c'est qu'on voit en vert en fait les gros boosts, en jaune ce qui est normal et puis en... Donc là par exemple j'ai aucune mana, par contre je fais beaucoup plus de dégâts. Enfin beaucoup, ouais 12% quand même. Un peu de commandes, pas mal de vie. Là beaucoup de vie, peu de mana. Enfin plus de mana quoi. Point de commande, des dégâts. Je vais prendre ça moi, les commandes. J'ai peut-être pas assez pour prendre encore un ours. Je suis combien? 215. Un ours c'était 60. Hop. Donc, je peux voir. Ce qui est intéressant c'est que je peux voir les unités. Hein. Voilà, si j'ai tué 6 géants, je pourrais les invoquer. Je peux déjà voir leur... leur stat, ça c'est pas mal. Ça a l'air balèze ça.
Un ours, c'est 55. Ah non. Un scorpion, ça a l'air pas mal aussi. Ça attaque à peine moins... Ça fait à peine moins mal qu'un... Qu'un ours. Par contre, ça coûte pas mal moins cher. Même les loups, putain, les loups, c'est cool. C'est à peine moins résistant. Ça fait beaucoup plus mal. Ça coûte beaucoup moins cher. Les poulets... Poulets, c'est nul. Alors, on va se prendre quelques guardsmen pour finir tout ça. Donc là, il reste ses tours, c'est pour ça que c'est encore bleu. Alors, il faut que je monte là où il y a une tour. Tour, c'est embêtant. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression que tu peux quand même un peu... Enfin... abuser du truc en faisant des allers-retours, quoi. Au final. The living shall know my wrath. Moi, je casse des... Je casse des puits. Je suis comme ça. Ok, je peux foutre le feu à la tour. Le problème, c'est que ça ne suffit, ça risque de pas suffire. En fait, j'ai vraiment envie de la casser. À l'attaque. Ok. Ça en est un petit peu sorti quand même. Voilà. Alors, ouh, j'aurais pu faire le tour, mais c'est quoi cette histoire? Come here. On dirait des mines. Slay the living. Pain is my strength. Ouh, ok. Non, mais n'y allez pas. Follow my lead. Arise, my minions. D'accord. Et la porte est bloquée, d'accord, en fait faut que je fasse le tour. C'est l'inverse. Sir Killelot. Ok, c'est le camp de Sir Killelot. Bien sûr, ça va être... Ça va être misérable cette histoire. C'est quoi ce plus 116 là? Je récupère de la vie ou... Destroy them. Ah non, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? I rise again. Je reviens dans la crypte. Est-ce que je perds quelque chose? J'ai tout mon matos. Est-ce que j'ai fait mon niveau? Je peux équiper ça. Ok, bah je ne sais pas. On va prendre des sources. Alors c'est pas forcément une super idée de prendre que des... peu de grosses unités, parce que elles sont plus vite focus. Je pourrais y aller avec 30 ou 50 petits machins, hein. ça peut être intéressant aussi, ils crèvent vite, mais... Ouais. C'est des choses à tester. Cette histoire. Ok. Bah, à la rigueur, ça m'a permis de péter un bâtiment. Mais je peux totalement abuser cette histoire là en faisant l'aller-retour non-stop. Rappelle-moi ce que ça fait cette histoire.
Unit projectile, 7 ans de feu. Ça fait du feu, mais c'est uniquement sur les. Sur les projectiles. Alors si je vais prendre. Plein d'archers. On va tester ça. La technique de je balance du feu. Combien de temps ça dure déjà? 8 secondes et demie, ok. Destroy them. À l'attaque. Gather hunter. Bah, il est one shot hein. Ça a marché cette histoire. Et maintenant, tu reviens avec moi. Ouf, il coûte cher lui. La technique de venir avec plein d'unités un peu pourries mais boostées via le sort, c'était pas si mal. Et ce sort qu'il a l'autre là, il est fouf, costaud. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ramassé comme loot? Oh, plein de choses. Donc là, la clé. Stone of Bony Wall, Wall of Bones. Juste une hache, merci. Une épée précise. Bon, ça, on va la vendre parce que ça, c'est blanc. Tu dégages du jaune. 59% de chance de spawner des squelettes quand un building est détruit. Vous êtes melee cooldown, one critting with melee. Ok, pas mal, mais non, merci. STP là, crit chance, mana capacité. C'est pur dégâts. Ça c'est de la vie. Honnêtement les sorts je trouve ça assez intéressant. La hache elle fait quoi là? Poison. Ouf, ça fait beaucoup de dégâts tout ça. Estano. Vampirisme. Ah, vampirisme c'est bien ça. Et donc les sorts me coûtent de la mana. Je peux pas l'équiper? Ça marche comment cette histoire? Manuellement comme ça. Ah je peux avoir deux. D'accord, je peux avoir deux anneaux équipés, c'est pour ça. Charge melee weapon to do next hit. Si c'est pour moi ça. Ok, deux anneaux, un skull, une amulette, comme une cape plus 8. Ok, et puis je peux avoir un bouquin qui sert, je ne sais pas quoi. Bien. Follow my lead. The gate is locked. J'ai pas eu la clé. Bah si, j'ai la clé. Non, c'est pas la bonne clé. A key with a horse head. Tête de cheval.
c'est pas ici. Peut-être de l'autre côté, du coup. Talk to Bones. Pas la Bones. Another step towards total domination completed. Ok. Et ça m'a donné une amulette humanoïde unit hit point. Ah, c'est cool ça. Niveau 5, je crois pas du tout. Ah, mais les unités sont revenues. Ah, bah oui, c'est parce que je suis mort, j'imagine. Forward. Au moins, les bâtiments ne sont pas revenus, c'est sympa. Pas la bonne porte non plus, la bonne clé. Bah ma foi, on va voir en bas. Follow my lead. On a tué du poulet, hein. De cheval. Fin de Skeletor, tu l'as dit. Ah, c'était ça la clé. Ah, ça descend direct. These lands shall be ours soon. On va monter, je pense qu'il y allait là tout de suite. Ben Nastivin et Benevolis, tout marchand, en cave. Ok, on aura de nouveaux trucs de marchandage. We shall burn the lands of the living. Voilà. Il y a un petit vampire là. I shall crush the living. Le balèze, le sœur qui le lot. You shall serve me well. Ok. Donc là, il va y avoir un marchand à l'intérieur. Bon, on va faire ça. Faut... Ça se trouve, c'est lui qui va me donner la clé. We shall devour these lives. C'est quoi ça? Je peux invoquer quelque chose de ça? Oh, d'accord. Ah, c'était une tombe, tout simplement. Bon, le sœur qui le lotte, à mon avis, il va pas faire long feu, là. Charge. Ouais, le truc vampire, c'est mignon, mais ça fait quand même pas beaucoup, quoi. Rise and obey. Et tout de toute façon. Alors la minimap c'est bien, le problème c'est que bah ça monte tout dès le début quoi. Donc ça enlève un petit peu la surprise, il y a pas vraiment d'ex... enfin il y a très peu d'exploration puisque je sais déjà où je vais aller. Après il peut y avoir des portes, ça c'est intéressant, des portes fermées du coup. Je cherchais de l'autre côté mais... Si de base je sais déjà où j'ai envie d'aller. Allez. Voilà. Cavalier. Alors là c'est intéressant, c'est qu'on a une... quand on a de nouveaux ennemis, bah, c'est une bonne chose puisqu'on... Le but c'est de pouvoir débloquer par la suite cette unité. Donc là je viens de taper deux cavaliers. Je sais plus combien il m'en faut encore. Si c'était 6 ou 10. Les petites unités c'est 30. Là par contre s'il y a un paladin à mon avis je vais me faire fuir. I've reached the limit of my... I cannot command more units. Charge. Donc ça se joue très facilement en pad. J'imagine que sur le clavier souris ça va être très bien aussi quoi. Team Bloodrock, Ollivander. Okay.
vite faire ça. Voilà. Gather round. Il s'est fait fumer. Suffer, sweet suffer. Join the horde. Ouh, il est costaud lui, donc. Ok, on va revenir avec plein de bonhommes et il fera moins le malin. Là pour l'instant c'est moi qui prends cher. Ok, alors qui est là-dedans? C'est juste des petits bonhommes? Join the horde. Ah puis tiens, c'est pas du bien ça. Voilà. Ah ça c'est gratuit ça. En fait, étant donné que les bonhommes étaient déjà morts, j'ai pas de cooldown. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Les unités qui étaient anciennement vivantes là, ça, j'ai plus le cooldown. Destroy them. Non mais là il va prendre cher. Voilà. Inventaire plein. Déjà, tu m'étonnes qu'ils se remplissent vite. Poubelle. Ça, c'est bien. C'est plus intéressant que ça, même. Toi, tu dégages. Ça, c'est mignon, mais c'est à moins que les unités attaquent vite. Ouh, un violet. Bon, attends, déjà. Cast Fireball, ça c'est bien. Plus de dégâts, c'est bien. Regenerate mana plus vite, ça coûte moins de mana. Ah, j'avais pas percuté que mon truc ça soignait uniquement sur des crits. Faudrait quand même que je teste ça, parce que je suis curieux. Des dégâts, je récupère de la mana. Non. Damage, ça fait plein de dégâts. Plus de dégâts, plus de crit, plus de mana. Allez, zou. C'est ce même là, mais en mieux. Peu de choses près. Ouais. Ah, puis ça, le mur reste derrière. D'accord. Cooling down. Ah d'accord, ouais d'accord. Ah je peux pas le spammer cette histoire. Ouais mais non. Si le chicken, le problème c'est que ça va pas marcher sur le boss parce qu'il a trop de vie. Alors, une fois que je passe 5, celui-là j'utilise, ça va être bien. A mon avis cette hache, je ne vais jamais l'utiliser. Voilà. Donc pour les commandes, c'est la même touche. Hein. T'appuies une fois, ça les envoie, tu rappuies, ça les rappelle. C'est pas compliqué. Follow me forward. À l'attaque. Follow my lead. Regardez, à l'attaque. Puis s'il meurt, bah je m'en tape, je vais aller ressusciter Béatrix, la Bonovelix ou je sais pas quoi. Il est costaud là, l'espèce de super squelette archer là. Ok. Est-ce que je vais essayer de prendre commande là pour Jean-Michel Paladin? Je vais pas hyper vite. Hein. Je peux pas courir par contre. Bénévolix.
sort d'un bouquin d'Astérix. Ouf, coûte cher lui aussi. Par contre, une fois que les morts sont morts, tu peux plus les ressusciter. C'est le truc. Rise and obey. Ah, coûte même pas si cher que ça. Hein. My command cap has reached its limit. Ok, donc là j'ai fini cette zone. Destroy them. Gather here, living. Join the horde. C'est un coup de marteau. Charge. Ah, je suis pas venu ici, c'est pour ça. Ok. All living slain, d'accord. Et donc là, la couleur change en mode genre c'est la nuit. Parce qu'effectivement, j'ai dégommé tous les... Il n'y a plus d'êtres humains ici. Donc la map m'appartient. Là, en même temps, ça se voyait en bas, là, 0-0. Ok. Donc là, c'est violet, maintenant. On peut le voir ici. Hillsbrood, ça, c'est pas encore violet. Mais je sais pas si je peux passer là-haut. Free the Merchant. Faut que je trouve un passage secret ou quelque chose, hein. Ou faut vraiment que je descende d'abord pour pouvoir remonter par la suite. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une clé qui traîne ici? On va casser ça, peut-être casser dedans. I shall crush the living. Soigner. Ça je peux rien y faire. Là non plus. Ah, je peux passer par. Non. Bah non, la grosse porte là. Gate is locked. Je suis bien embêté. Bon, on va regarder la carte vite fait. On va faire le Shining Gorge. Comme ça, on va dire j'aurai à peu près fini toute cette zone-là, et puis le cristal-là, et puis je pense que... On va arrêter là, mais... Ça donne un peu une... Bon, je pense qu'on a pas mal vu ce que le jeu a proposé. Là. Je dis, ça fait penser à Pikmin. Après, moi, j'ai pas énormément joué à Pikmin, donc... Ça se trouve à me dire que non, pas du tout. Mais c'est totalement différent. Mais je trouve que ça ressemble. Talk to Cage for detail. Ok. Gendry. Gendry, c'est pas un perso dans Game of Thrones, là ? Gendry. On va faire quelque chose. Donc là, il y a des tours. Les tours, c'est chiant. Peut-être sautant. Bim. Ouais, le bénévolique, il est costaud. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Du coup, il se fait focus, quoi. Il se fait focus. Rise and obey. Voilà, ça c'est bien. Pas. Les chevaux squelettes. C'est quand même violent, il y a du sang et tout. Donc c'est cartoon, c'est rigolo, mais... En vrai, c'est quand même pas mal violent, cette histoire. Destroy them. You shall serve me well.
Oh, je suis tout seul. C'est embêtant cette histoire. Ok. Je sais pas ce que ça fait, ça, si ça fait qu'ils ont... C'est pas si ça génère des ennemis. Je me demande si ça fait pas qu'ils sont plus résistants ou quelque chose comme ça. Je m'en fous, je me casse. Et j'ai le temps d'invoquer... Yes! Ok. Ok, ok. Un marchand, ça, encore, c'est ça? Le crypte. Je vais quand même retourner au... à la crypte, parce que j'ai quand même libéré 2-3 marchands, là. Ok, là je suis au taquet. Je vais faire le tour, voir ce que j'ai comme option. Éventuellement envoyer tous mes bonhommes au casse-pipe là sur la tour. Ok, donc là c'est bloqué. On va dire que j'ai pas grand chose à perdre. Pour leur mettre un bouclier. Combien de temps il dure ce bouclier? 6 secondes. C'est pas beaucoup, mais... bon, je regarde même plus. Mais... ouais, non, c'est que j'ai mieux. Attaque! Eh, hey, même ça suffit en fait. Bien joué cette histoire. Rise and obey. Comme d'hab, les générateurs en premier. We shall burn the lands of the living. Eh, hey. Finalement ça se passe bien cette histoire. Burn the lands of the living. You shall serve me well. Attaque. Donc les tourelles, elles sont, c'est comme dans Dota et compagnie, hein, elles font hyper mal. Je pense que ce qui aide beaucoup, shit, Cassos. Attends, on va rechercher un peu plus bas. A pu ? C'est quoi, ils disparaissent ou j'ai déjà tout spawné là ? Ou ils disparaissent au bout d'un moment ? Eh. On va bientôt finir de toute façon. You shall serve me well. Là, j'ai des archers. You shall serve me well. Ah, je l'ai fait un peu trop tôt. Ah, la tour, elle s'est soignée. Ah, damned. Enfin, elle a remonté sa vie. Hein. Le bouclier, ça c'était cool. Ça suffira pas. Mais allez. Je l'ai à l'usure. Yes. Alors ouais, je pense que ce qui m'a pas mal aidé, c'est le fait que mon marteau, là... Voilà, unit do... les unités, elles font quasiment 50% de dégâts en plus contre les bullies. Ça, c'était cool. Pentagrammation... Grammaton, c'est quoi ça? J'ai atteint le niveau 5. Cool. Alors,
beaucoup de vie, beaucoup de dégâts, un peu de commande, un peu de mana, beaucoup de mana ici. En fait, le gap en commande, il est pas énorme. Par exemple, dans le niveau d'avant, j'avais le maximum de mana, c'était 30, donc c'était pas très rentable. Ici, 47, c'est pas mal, mais les autres sont déjà à 30, donc en fait, c'est pas si horrible. Ça peut être rentable de prendre ça, là, comme ça, c'est quand même un gros boost de mana. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé plein de choses. Ça, ça va aller pour le commandeur. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. Waouh! Ça fait beaucoup de dégâts, cette histoire. Ok, on va voir. L'amulette. Ah bah, celle-là, c'est la même en mieux, quoi. Donc ça, c'est poubelle. 8 points de commande, je suis désolé, mais c'est pas beaucoup. Celle-là, j'ai quoi? J'ai une attaque speed. Elle fait un peu moins de dégâts. Elle attaque plus vite. C'est kiff-kiff, quoi. Unité 4 speed, voilà, c'est fou. Le cristal pour le portail, c'est très bien. Et puis on va essayer le Arcane Fire. Ok. Donc là, je vois qu'il y a plein de cadavres de squelettes. Melee damage from spent mana. Je comprends pas. Gana, not a living creature. Non, ça là, regarde, ça peut être rigolo. Rise and obey. Mais en même temps, j'ai pas nettoyé toute cette map. Si, je l'ai nettoyé. You shall serve me well. Ouais, c'est tout violet, hein. C'est bon, c'est fini ici. Je m'en suis bien sorti. Mais c'est ça, j'ai pas trouvé de moyen de les sacrifier, ces machins là, si j'en veux plus. Alors. Commandeur. Donc là, je vais ramener un deed. Il me donne une dague. Je peux faire des dégâts de crit, c'est bien. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Alors, Elivander. Donc lui, il propose des bâtons. Bonnie Wall. Stick of Fire, c'est la Fireball. Chickenify. Bonnie Circle. Ok. Ça c'est cool. Mais pareil, on va le monter au niveau 5. Je peux pas. Ah d'accord. Je peux monter les trucs au même niveau que mon perso. Niveau 5. Étant que je suis niveau 5, je peux le monter jusqu'au niveau 5. Damage, moins 34. Alors je sais pas si ça veut dire qu'elles vont. Non, ils font moins de dégâts, juste. Comme ça. Book, ça c'est nouveau ça. Plein de trucs là. Charge melee weapon to do plus de. Ah, c'est cool. Ah bah non, ça j'ai déjà vu ça, effectivement. Ça, c'est... Le hors scène c'est moi. Hein. Donc ça c'est juste pour me protéger moi. On va monter les armes au 5. Je crois que j'ai accès à tous les marchands là, il me semble. Ouais, plus trop de place. Et un book, qu'est-ce que c'est? Mana cost, c'est très bien. Enemy can block your race. Ok, je suis pas interrompu lorsque je veux ressusciter des machins. Régénère la mana. Common cap is double.
Hors d'HP and damage halved, ok. Donc c'est plus de bonhomme mais moins de puissance. Bon. Ok, je pense que j'ai accès à tous les trucs de base là du coup. On va juste voir si j'ai quand même accès à ce. Non, je pense qu'il faut que je finisse ça. Scanning. Use the device. Oui, il a peur, on y va là. Bah l'attaque hein. Pétez-moi tout ça. On est bien là. Ah, comme des fourmis là. Ouais, les squelettes ils sont one shot à quelque chose près. C'est pas grave. Ou ils disparaissent au bout d'un moment. Ok, donc là j'ai mis le cristal, du coup j'ai plus accès au cristal. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Prends-toi du feu sacré. Prends-toi du feu sacré encore. Moi je le défonce. Enfin j'espère parce que. Là je suis tout seul. Prends-toi un coup de masse! Yes! Et bah j'ai fini avec un petit squelette. Ok. Ça c'est caca. Et ça c'est caca. Et puis on a ce reste ici, pouf. Alors, qu'est-ce que j'ai ramassé? Stick of Fire. Fireball 200. 50. Bah mais en même temps, je peux faire 250 ou... 524 hein, je pense que c'est mieux ça. Le bunny wall à la rigueur. Ça, bon. 6 secondes 34, c'est pas mieux que ce que j'ai. Attack speed of animal, j'en fiche. Ça, c'est du blanc. Ça, c'est une clé. Plus d'expérience. Plus d'expérience, très bien ça. Mais le can block y aurait, c'est cool aussi ça. Voilà. Il reste 160 ennemis ici. Qu'est-ce que. Comment, quoi, oui. C'est bien de pouvoir tout vendre sur place sans avoir besoin de. I shall fulfill my destiny one step at a time. Bla 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 bla. D'ailleurs, tous les catacombes. Okay. Je peux le rappeler ce machin? Ah, il faut le cristal, c'est bien ce qui me semblait. Et ça, c'est quoi? Raise cooldown. Ok. Unit attack speed and damage. Machin. C'est à peu près comme celui que j'ai, mais. Juste le cooldown du raise qui est plus bas. Ah non, c'est quand même mieux ce que j'ai. Donc là, si on regarde la map, voilà, faut que je descende. Par contre, je sais pas où ils sont les... Ah oui, d'accord, ça, ça compte comme des unités. Ouais, mais... Ah d'accord, c'est parce que la porte était fermée. Ah, j'ai utilisé la clé, donc... Donc j'ai toujours pas de moyen d'ouvrir le... de sauver le marchand, là. Pourtant, c'était un truc niveau 3.
Bah, c'est peut-être un bug, remarquez. Parce que là, j'ai tué tout le monde, il me semble. Il reste 4 unités, ce sont des ours. Ou alors simplement, il faut que j'ai un moyen de passer ces mines. Moyen que je n'ai pas pour l'instant. C'est peut-être ça. Pour ce dernier marchand. Ok. Bon. En tout cas, on a vu... un gros bout, là. Je fais pas mal de choses. Un petit tiers de la première zone, juste comme ça. 8 sur 30. Je sais pas. Waldera, ça se trouve Waldera, c'est un peu comme les prestiges ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Voilà, donc c'est bien marqué, on est en early access, mais le jeu est relativement propre. Hein, ça fonctionne bien. Les mécaniques sont là, c'est chouette. Il y a du loot, il y a la progression, il y a un peu de stratégie vite fait. Bah, c'est sympa. Voilà, donc si. Vous avez vu un peu ce que ça propose. Les options, on a quoi? Command Action ou Walk Direction. Donc plutôt que là où on vise, là où on va. L'overlay de streamer, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, ça désactive des trucs. Hein. Oh, ça indique des trucs là, quoi. Je sais pas pourquoi c'est important quand on stream, mais... Donc ouais, les commandes, on voit qu'il y a le clavier. Ou le pad, mais pas grand chose. Inventaire, la map, le perso, invoquer les. Résister des machins, ça c'est la touche de commande, et puis les deux touches d'attaque et les zones, c'est vraiment. C'est basique, mais ça fonctionne bien. Voilà. Un petit peu d'options ici, mais... c'est basique. Le jeu est pas. Enfin, il a pas l'air gourmand après. Je peux pas dire comment ça tourne sur une petite machine. Ok, on va arrêter là. Merci et à bientôt pour un nouveau tu connais. On va voir, j'espère, un jeu que vous, a priori, vous connaissez pas et qui peut être plutôt sympa. Allez, au revoir à tous. Bye bye.